Bonjour à tous, c'est Franck, très heureux de vous retrouver. Écoutez, j'avais envie de vous faire un cadeau pour les 600 000 abonnés YouTube. Donc je suis entouré de grosses pointures, Was, Doc Seven, Ibra, Jimmy Falcon. Bon, je vous les présente, mais je ne devrais pas vous les présenter, ils sont super connus. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'échanger avec leurs compétences, leur nature, avec ce qu'ils font, et d'adapter les techniques de self-défense pour pouvoir leur permettre, bah, peut-être, de pouvoir se défendre, même si certains ont déjà un gros bagage en arts martiaux, sport de combat. Mais encore une fois, et dans le partage, eux ont des spécialités où je n'y connais rien, donc ils m'apprennent. Et moi, je suis venu pour essayer de partager un petit peu mes connaissances, modestement. Donc je les remercie, puis j'espère que ça vous fait plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube, allez voir ce qu'on fait et vous allez voir, c'est intéressant. Encore une fois, on voit des domaines très différents. L'intérêt, c'est partager ses connaissances et rencontrer des gens, le partage. Et YouTube est un super outil pour ça et je les remercie de m'avoir aidé. Merci. Bon, j'ai mis en forme. Bonsoir. Tu es prêt à changer? Ouais. Bon, je sais que tu es un grand pratiquant de sport, de boxe thaï particulièrement. Ouais, ouais. Donc on a un point commun, hein. J'ai commencé par ça très longtemps, tu n'étais pas né. Ce que je te propose, c'est des techniques qui sont spécifiques à mon art, mais que tu peux mettre dans ma discipline, la boxe thaï, que j'aime beaucoup. Et comme ça, bon, on va pouvoir rigoler un peu. Eh ben, okay, vas-y, rigolons. Alors, premier truc que je vais te faire voir, c'est qu'en fait, on va travailler sur les feintes. Je sais que tu aimes bien les blocages, tu aimes bien monter les jambes et tout. Et comme on les monte à froid, parce que moi, je suis un pratiquant plus pour la rue dans ce que je fais. Hein. Mais en fait, les ischios, on sait, ça tire. Hein. Donc, j'évite de faire des choses qui vont me mettre en danger. Donc, j'utilise des angles qui font que, bah en fait, ça ne m'étire pas trop l'ischio. Okay. Ça te va ? Alors, on va faire un truc, je vais te poser une question. Si je te fais un low kick, comment tu bloques ? Voilà, tu bloques, t'arrives, mets-toi en garde, t'arrives, fais comme tu veux. Tu es ici, je fais ça. Donc, moi, ce que je fais, genre de feinte, c'est quand je suis là, quand j'arrive là, je tape génital direct. Tu connais? Okay. Voilà. Je connais pas, mais en taille, je sais pas si on a le droit. Voilà, mais moi je suis en rue. Alors je vais te faire version sportive et version rue. Okay. Ça c'est version rue, je te fais version sport. Donc je suis ici, j'arrive là et je tourne. T'as vu, je pique. Ça pique. Donc je fais délicatement. Ça pique. Voilà, ça va. Maintenant je te fais la version sport. Ok. T'es ici, tu pointes au froid. Ok. Et la version, je sais que tu vas y arriver, tu feras sans moi, bien sûr, après, okay, hein, c'est le temps. C'est que t'es ici voilà, et tu mets dans la tête. En fait, je feinte. Ici, quand je suis là, je tourne. Et ce qui me permet de descendre, je suis assez derrière. Ok, alors, on va se faire plaisir. Tu vas te faire plaisir. Hein. C'est toi qui vas me kicker. Ok. Donc, je vais bloquer taille. Quand tu arrives là, tu rentres génital. Super. Génial. Ok. Tu fais la version ici. Ok. Génial. Et tu fais la version tête pour voir. Ok. On essaye. Donc ça c'est pas mes trucs. Mais en fait moi ce que je fais, j'arrive là, je fais BAM, je pointe ici. Et souvent comme il bloque le haut niveau, je descends sur le genou pour piquer aux yeux derrière. Là, la petite béquille là où parce la santé, que un gars comme toi, à l'école. Là. Un gars comme toi, t'as la garde. Ouais. Donc quand je fais ça, je sais que 7 fois sur 10 tu m'as bloqué. Okay. Je redescends juste ici. Je peux rentrer derrière, entrer en coup de tête. Je suis ici, mais moi là qui fais-toi plaisir, voilà, je tape sur le genou direct, génital et je rentre. Okay. Tu vois pourquoi? C'est que moi je sais que je vais avoir mal une fois. Vas-y, fais-toi plaisir. Tout de suite, tu vas attaquer la jambe d'appui. Okay. Génital. Alors maintenant on va se faire sur une patate. Je vais te mettre une gauche. Okay. Une gauche et une droite, comme tu veux. Bah vas-y, mais une gauche pour changer. Une gauche. Je vais y aller cool. Dis, fais voir comment tu bloques. Ok. Tu bloques comme ça. D'accord. Mets-moi une gauche. Je t'explique. Le principe, t'as vu ce que j'ai fait, on en parlait tout à l'heure. Oui. Moi, comme j'ai pas de gants dehors, je sais que si jamais je fais ça et que ça prend, je peux me faire défoncer. Maintenant, tu vas faire pareil. Tu vas mettre ton bras. Tu prends une gauche ou une droite. Une gauche, tu vas avec celle-là, tu vas baisser. Ouais. Et t'attaques derrière avec l'autre. Okay. Je te fais voir, mets-moi une gauche. Regarde comment je fais. J'absorbe. Je cache. Boum. Ok. Fais-toi plaisir. Bien. Bien, c'est bon. J'ai l'impression de prendre. C'est bon, c'est bon. C'est bien de prendre des coups. Donc, ça, c'est le premier truc. Ok. Maintenant, ma technique secrète, t'as vu? En fait, tu prends vraiment là, tu absorbes. Ouais. Et là, boum, après, boum, boum, tu peux kicker. Ah, il est passé celui-là. Ça va, ok, t'as les abdos. Ça va. Ok, ça, c'est important. Maintenant, mon arme secrète. Ouais, là. Non, mon low kick, ma façon de faire le low kick. Ah oui, ok. Je le fais pas façon taille, je sais pas si t'as vu. Je l'ai un peu fait différemment. Tu l'appuies, non? Non, en fait, je cisaille. Ce que je fais, je vais le ralentir. Parce que ça va être douloureux si tu es en train de ce soir. En fait, je le monte pas comme ça. Je le monte avec le genou.
Voilà. Ok, je vois. Regarde, je lève. Oh. Je vois. Tu vois. Ah la béquille, elle passe. Fais ça. Quand t'as mal, fais ça direct. C'est le seul moyen que ça part. Et t'as vu, j'ai mis à 5%. Ah ouais. Ah, ça passe bien là. Ok. Et celle-là, tu veux la passer encore à corps. Quand, okay. Quand t'es en taille, tu me saisis là. T'es là. Coup de genou ici. Là, je le passe en low kick. Tu vois. Boum. Ok, et ok. Je le passe pas en genou en fait. Ok. Ça va. Désolé. Ça pique. Non mais vous êtes bien là, vous êtes devant votre écran, il n'y a pas encore, de soucis. Mais... Tu me prends ici, tu okay. Fais les genoux, fais les genoux. Okay. Boum, classique, t'as l'habitude, vas-y, quand okay. Tu veux. Boum, tu rentres et à seul coup, tu rentres en kick. Ok. Voilà, boum. Et tu lèves. Et tu lâches. En fait, tu lèves. Et tu lèves et tu coupes. Tu lâches. Ah tu. Ok, tu l'appuies en fait. Comme ça. Ouais. Wow, okay, là tu m'as fait mal. Ok, ça marche. Excellent. Toi tu fais ish, tu le balades, BAM dans le genou. Ok, en fait tu détends. La jambe comme ça dessus en fait. Exactement, t'as okay, compris. Et plus tu vas le relâcher, plus ça fera mal. Ok. Écoute, merci ça pour passe, ça. Juste avant de terminer, ça, ouais. Ça passe en compétition ou... Bah je pense pas que ce soit interdit de nos jours. Hein. Bon Doc. Voilà. Salut déjà. Bonjour. T'es prêt à souffrir? Non mais s'il faut, on y va. Bon alors on m'a dit que t'étais un expert en arts martiaux. Oui, c'est ça, pas non qui t'a dit ça, mais... Je sais pas, bah les gars, donc on va voir. Là. Ah, ouais. Donc on va tester. Donc je te propose, je te fais une attaque super nature. Je vais t'expliquer, c'est pas n'importe quelle attaque. C'est pas super naturel. Détends-toi, te gratte pas, détends-toi. Et en fait, la première, logiquement, ça va être compliqué. Et après, je vais t'apprendre pour que ça devienne moins compliqué. Ok. Tu t'embrouilles beaucoup dans la rue avec des gens? J'évite. Bon, alors voilà, je suis avec toi, je commence à me disputer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, je cours. Si voilà, je suis tout alors, seul, imagine que je te frappe. Voilà. Donc, boum. Deuxième. Alors, non, faut non, que tu mais saches. Ça fait pas mal en fait. Faut que tu saches ce que j'ai fait là. Ouais. Ça, je l'ai fait avec. Je le bloque. Voilà, c'est ce que t'aurais fait. T'as pas le temps, pourquoi t'as pas le temps? Deux choses, c'est que t'as les mains en bas. Donc, voilà. Si t'avais eu tes mains devant en discutant, je me fais pas d'histoire, tu m'aurais empêché de le faire. Donc, déjà, c'est une parade. Donc, si tu pars avec tes mains. Faut pas que ça sonne comme si moi je voulais l'attaquer. Voilà, c'est les paroles déguisées. Si tu fais. Là, c'est mort. D'accord. Surtout si l'autre, il est bon. Donc, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. T'as tout compris. Ça, c'est déjà 50% de la self. Si tu as les mains devant, ça s'appelle des blocages déguisés. Voilà, tu peux parer. Donc, ça veut dire que là, t'es parti ici, je t'embrouille. Ouais. Je te la. Et de ce coup, je te mets un coup. Ah ouais, donc faut pas être trop. T'as vu, parce que là, si je suis trop près, tu peux quand même me la mettre. Voilà, et surtout tes mains. Ce qui va te sauver, c'est tes mains. Maintenant, on va faire un autre exercice. Je vais te mettre une tarte de la même manière. T'as intérêt à la bloquer. Voilà. Tu mets tes mains au-dessus et tu fais ça. Mais là, avec tu ça, tu vas. Des baffes, non, tu vas parer tous les coups comme ça. Regarde. Donc, il y a des coups qui arrivent. Tu sens pas. Je me fais quand même défoncer là. Voilà. Ça, c'est un coup de poing à un moment. Donc, pour te détendre, 70%, je vous l'ai dit, des frappes sont données du crochet droit. Je m'embrouille avec toi et ça va arriver comme ça. Là, il passe. Pourquoi il passe? Parce que je suis pas assez écarté. Parce que t'as pas fait ça. Okay. Mets pas tes coudes ici, mets-les ici. Ah. Voilà. Remets tes mains devant. Je vais aller doucement et tu vas faire ça. Ok. Voilà. Et là, ça passe plus. Ok. Donc ça, c'était la parade simple. Maintenant, je vais t'apprendre à casser une jambe. Ah, ok. Ça, c'est bien ça. Alors, je te parle. Tu sais quoi le problème? Ton genou, il saute. Là, ton genou, il est parti. Alors, je vais t'apprendre à le faire sur moi. Alors, attention, règle de sécurité, si ta jambe est tendue, reste comme ça, je doucement. Ouais. Regarde, si tu sens le genou, il est en bout de course, ça casse. Ah, donc, il peut être comme ça. Okay. Dès que tu parles, tu tapes cette manière-là, c'est un coup de défrasant, ton genou, il sort. Mais moi, il faut que ma jambe elle soit tendue ou genre je la plie? Tu la plies, tu la détends à l'impact. D'accord. Donc là, tu fais. Voilà, et t'as vu, ça part. Ah ouais. Et souvent, tu lèses le genou et la cheville. La cheville va partir en dernier, le genou va partir, la cheville va sortir et on laisse la cheville. Pas mal quand même, hein. En peu de secondes. Et je peux pas les enchaîner. Bah, fais-toi plaisir. Vas-y. Genre, tu me claques et moi je fais plein. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. C'est trop bien. Et qu'est-ce que tu feras après? Tiens, fais-toi plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu fais ça, tu fais le genou. Qu'est-ce que tu fais après? Tu me touches où? Bah, ça dépend comment t'es après. Bah, vas-y, bah fais-le. Plein. Boum, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appoules. Plein. Ouais, après. T'as des genoux. Ouais, c'est bon, t'as des genoux quand même. Non, non, 3 frappes minimum. Ouais, mais tu tapes où? Dans le bide. T'attrapes, bing. Ah ouais. Vas-y, détends-toi. Genou. Genou. Voilà. Et puis plop. Voilà, bien. Bon voilà. Hein. Tu vois, trop cool. Faut jamais tourner le dos. Ah non. Bon voilà, comme c'est bien amusé, t'as une technique pour te défendre. Donc je suis avec Was, il fait des trucs de fou avec un ballon. C'est incroyable, j'ai essayé, impossible. Alors là, ce que je te propose, c'est un petit défi, c'est que j'aime bien défier, hein, bien sûr, avec un caractère toujours pédagogique. Je vais réaliser en fait un coup de pied. J'ai remis un coup de pied de face, le maigiri du karaté, et un coup de pied circulaire qui est le mawashigiri du karaté. Ce que je vais te demander, c'est de faire la même chose avec le ballon au pied. Ok. D'accord? Alors, je te le fais voir au début. Très simple, maigiri, tu montes ton genou, tu frappes, tu montes ton genou et tu poses. Exactement. Le but, c'est toucher l'abdomen. Et je te propose
de le faire avec le ballon. Incroyable. Essayez, j'ai essayé, c'est impossible. Il faut une souplesse de cheville incroyable. Ensuite, plus dur. Beaucoup plus dur, parce que ça encore, je me dis, on s'entraîne, je peux. Mais alors là, par contre, c'est un truc de fou. Le coup de pied circulaire, le mawashigiri du karaté, si tu peux le faire. Je l'ai refait, bon, non, le ballon est tombé, il doit pas tomber. Ah non. L'échec est un apprentissage, rappelez-vous. Incroyable. Je lui dis, j'ai essayé, ça tombe, c'est impossible. Ok, alors maintenant, on va faire plus dur. Là, je sais pas si tu vas vouloir participer à ce défi. Je vais te faire un coup de pied circulaire à la tête. Le but, c'est que tu esquives comme tu peux. Alors, le but, c'est que tu mets le ballon sur la tête. Ouais. Où tu veux. Et moi, je vais essayer de le taper. Là, je vais monter là. Alors, c'est dur. Hein. Alors, tu fais autre chose, si tu veux. C'est dur, hein. Toi, je vais me mettre là. Ah, c'est bien, c'est un défi. Je vais taper. Ça fait flipper. T'es prêt? Ouais. Go. Ah, ça fait pleurer. On refait? Vas-y. Je vais aller plus vite. Go. Ça fait trop peur. Eh, mais vraiment. Allez, faut le faire. Go. J'ai une grosse mauviette. J'ai une grosse mauviette. Donc, bah écoutez, comme je dis toujours, la zone de sécurité, c'est pas pour moi. Faut toujours se lancer des défis, faut rigoler. Je vais essayer de reproduire ce qu'il a fait. Et vous allez voir, on n'est pas dans le même monde. Alors, j'ai vu que tu avais fait ça. Ouais, je te conseille de lever peut-être un peu ton survêt pour que ça colle un peu plus à la peau. De le lever? Ouais. Ah, parce que c'est ça le secret. Ouais, il y a des techniques secrètes. Hein. Donc là, je vais faire un maigri, loupé. On recommence, j'ai le droit de deux essais. Bien sûr. Le prof a dit, on recommence. Comme moi, j'ai eu plusieurs essais. Hein. Bon, celui-là, il est bon. Ah, je m'améliore. Celui-là, il est bon. Maintenant, on va essayer mawashigiri. Et c'est bon. J'allais lui expliquer, mais pas la peine. Il a réussi direct. Bah, merci hein, pour ton enseignement. Comme quoi, mais le pantalon relevé, déjà, c'est une stratégie. Non, mais bon, je pourrais pas lever plus haut. Bonne souplesse de cheville aussi. Bah, merci. Vous voyez, on apprend tous les jours, même à mon âge. Et encore une fois, quelqu'un qui a un côté humain très développé, je dis souvent YouTube, c'est pas seulement se faire voir, c'est donner de la valeur, mais de la valeur humaine. C'est ce que tu fais, j'apprécie beaucoup. Tu peux en parler d'ailleurs si tu le souhaites. Hein. Bah oui, le but c'est de, à travers nos passions, on a acquis pas mal de choses, pas mal de valeurs, etc., qu'on essaie de transmettre aux gens qui nous suivent. Parce que derrière le sport, forcément, il y a beaucoup de valeurs. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre aux gens qui nous suivent, tout simplement. Bah, merci à toi. Et encore une fois, allez voir ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà. Bon, bah, Ibra, salut. Salut, Franck, tu vas bien. Merci, ouais, d'être venu. Bah, écoute, comme tu connais le combat, je vais pas t'apprendre la musculation, je vais pas t'apprendre à faire de la lutte. Hein. Je sais que t'es un très bon lutteur. Quoique, il y a toujours quelque chose à apprendre dans la vie, mais bon. Ouais, mais bon. Moi, je suis pas spécialiste de la lutte. Par contre, ce que je peux, c'est te donner quelques techniques de mon art qu'on ne retrouve pas forcément, peut-être que tu les connais, ailleurs. D'accord, donc on va y aller cool parce que c'est des choses qui sont traumatisantes. Je sais que tu encaisses, mais le problème c'est que tu as mal longtemps. Oui. Tu vas encaisser, mais c'est que la douleur est dure et tu vas pas pouvoir t'entraîner. Je sais que là tu t'entraînes dur en ce moment. Alors que j'ai entraînement ce soir. Voilà, donc c'est pas le but. Ouais. Par contre, le but c'est que tu veux le faire sur toi, tu le feras sur moi. Et je te dirai si tu le sens ou pas. Okay. Si tu le sens pas, c'est que c'est mal fait. Alors, on va faire deux choses que j'apprécie particulièrement, c'est le low kick et le gunting. Sur quelqu'un de très costaud, ça va être plus compliqué, donc j'ai intérêt à être précis. C'est ce qui me fait kiffer, c'est la précision, parce que là, il y a beaucoup de muscles. Donc forcément, il faut aller chercher le point. Alors, on va commencer par le gunting. Alors, on va se tourner. On va se tourner pour qu'on puisse le voir, puissions en bénéficier. Hein. Alors, le gunting, c'est très simple. On le fait souvent sur des clinches, sur des saisies. Voilà, on prend ici, on saisit. Oh, mais... Ah ouais, vas-y. Donc, principe très simple. Quand tu rentres en saisie, en clinch ici, le mec il est très près, tu peux pas forcément, là tu tapes sur toi, ça fera rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher des endroits comme là, voilà, okay. Où il n'y a pas de protection musculaire. Alors un exemple, regarde, tout doucement, là tu as un peu mal, dès que je vais faire là, tu as très mal. Oui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur des insertions, comme ici. Si je fais ça sur toi, tu sens rien. Dès que je vais faire ça, voilà. Et là, boum. Ah ouais. Donc, quand le mec il clinche, je pourrais taper là. Je fais une frappe ici, gunting. Voilà. Tu vois, et là, je suis à 5%. 5%. Oui, parce que regarde, ce que j'ai fait avec toi, c'est que j'ai pas fermé. Si je ferme, t'as vu? Et là, imagine que je fasse ça. Non, 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 j'imagine. J'ai pas envie d'imaginer parce que là, donc, je vous promets, je joue pas, je surjoue pas, j'ai vraiment mal. Ça va? Ouais, ça va. Alors, je vais doucement. Ce qu'on fait souvent, quand on t'attrape, pinch ici, le mec qui rentre encore un corps, on frappe pour affaiblir, et là, je vais doucement, on tape. Ce qui me permet d'enchaîner derrière.
Et moi, je vais t'apprendre à le faire sans moi maintenant. D'accord ? Ok. Alors, regarde, il y a un trou là. Fais Monsieur Muscle. Voilà. Allez, costaud le garçon. Ok ? En fait, là, tu sens rien. Ouais. Là, c'est trop musclé, tu sens rien. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je tape à l'intérieur. Okay. Et quand je rentre ici, voilà, on a mal. Alors, quand tu vas... Je suis pas là pour souffrir, ok, okay. On arrêtera là, parce que ça fait mal. Non, c'était pas... Tu vas faire sur moi. Ouais. Donc, quand je t'attrape, ouais, tu vas prendre ça, tu vas m'attraper. Moi, je t'attrape, tu vas passer le clinch ici. Ok. Là, donc, tu vas rentrer comme ça. Ok. Et tu vas taper juste avec ça. Ok. Très relâché. Entre le muscle et... Yes. Ok, ça marche. Dans le trou. Dans le trou, et ok. Et plus tu es relâché, plus tu vas me faire mal. Si okay. tu tapes fort, ça ne marchera pas. Okay. Regarde, je suis ici. Hop. Ah. Vas-y. Vas-y, plus fort, je sens rien. Encore. Non, plus relâché. Relâche-toi. Waouh. Là, je descends. Ah, c'est là ? Ouais. Et plus relâché, toi, soupe-toi. Okay. Comme ça. Oh. Comme ça. Allez. Hop. Bien. Là, je le sens. Ok. Bien, là, vas-y. Vas-y, tape. Hein. Voilà. Toi, regarde, tout doucement. Tu vois, relâché. J'arrête. Alors, tu peux le faire, regarde bien. Okay. Tu peux le faire ici. Je peux le faire ici. Je peux le faire ici. Oh vois. Putain. Ouais, je peux le faire ici. Ah, j'ai envie de devenir ton élève. T'as vu? Ouais. T'as vu? Et regarde, et regarde, je peux le faire ici. T'as vu? Donc, t'as vu? Et je tape pas. Si je fais. Non, 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 non. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, là, ça y est. Deux, trois bleus donc, ici. C'est j'arrête, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est que des frappes, tu vois. Là. Par exemple, ici, tu prends mon poignet. Toi, les gens, ils font des clés. C'est ouais. pas possible dans la rue. En fait, en faisant ça, t'as vu, tu lâches. Parce que j'agis oh sur un nerf, tu vois, le nerf qui est. Ouais, ouais. J'ai vu ça. Tu vois, j'ai senti surtout. Tu vas faire sur moi, tu vas taper sur ce muscle ici, relâche. Génial. Relâche. T'as vu, je lâche okay. tout de suite. Ok. Ça me fait mal. Ça marche. Où est-ce que t'as appris tout ça, en fait? J'ai étudié longtemps. Okay. J'ai étudié avec un maître, mais après j'ai étudié les points vitaux. Okay. Toi, par exemple, ici, voilà. Toi, j'ai appuyé, t'as vu la tête? Ouais. Tu vois, ici, tu vois là, toi, ça sonne parce que je touche sur des nerfs. Si je te touche ici, tu ne sentiras pas. Tu vois, regarde là. Là, regarde là. Tu vois? Ouais. C'est là, regarde, juste là. Ouais. Tu vois? Donc, okay. sur une saisie, boum, coup de on va aller doucement. Alors, je veux dire que dans la rue, si vous le croisez, surtout ne le cherchez pas. Un petit point vital, il vous touche comme ça, bam, vous êtes mort. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant que tu as vu un peu, on va apprendre le low kick. Là, je vais aller beaucoup plus doucement parce que c'est plus douloureux. Ok, merci beaucoup. T'es comme ça? Non, non, quand tu dis ça sert à rien d'être comme ça, si tu connais des petits points vitaux comme toi, tu le mec, tu l'écroules. C'est le but. Parce ouais. que le gars, il est moins fort, il est plus âgé, ouais. il peut se défendre. Alors, on va se mettre de ce côté-là pour que les gens voient. Je vais aller tout doucement. Je vais te faire voir, je vais décomposer. Le low kick, box style, box anglaise, il va être comme ça. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. T'es costaud des jambes toi, voilà, tu sens pas. Maintenant, mon low kick, mon low kick, c'est jambes, genoux, montés, relâchés. Okay. Même pas de force, tout doucement. Regarde, je suis là. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Toi, c'est relâché. Moi, tu doucement. Ah, j'ai doucement là. Non, c'est pas doucement, tu vas ça. Tu vas démonter la jambe. Fais comme ça, tout de suite, ça va partir. Fais le squat, mets-toi sur les poings, fais comme ça. C'est le seul moyen. Voilà. Le mec, il me dit, je vais doucement, il m'a démonté la jambe. J'étais doucement. Ça veut dire que si tu vas lâche. Fort, tu coupes la jambe. Regarde, je vais t'avoir quelque chose. Okay. Si je suis là, reste là, bouge pas. Hein. Pousse-toi, pousse-toi un petit peu. Ok, ne voilà. me casse pas la jambe. Quand tu fais vraiment, c'est. Ouais. Tu passes la hanche. Ouais, avec mmh. la hanche. Ouais. Ah, ouais. D'accord. Alors, ouais. regarde ce que j'ai fait. Que tu vois doucement. Regarde, doucement, regarde ma jambe. Regarde, je vais juste faire ça. Là. T'as vu? T'as vu? C'est 2%, il y a rien. Je suis désolé, mais je ne reviendrai pas. Alors, toi, tu vas faire sans moi. Ok. Fais le kick normal. Normal. Vas-y, vas-y. Voilà, le kick normal. Ouais. Fais le kick maintenant, donne-moi ta jambe. Tu vas monter ton genou. Ouais. Et tu vas relâcher. Tu fais juste ça. Boum. Ok. Vas-y. Hop. Plus ça fort. Plus fort. Plus fort, vas-y. En fait, il faut que d'abord je comprenne le mouvement. Il faut que tu montes ton genou. Hop. Très haut, et là ce que tu fais c'est que tu relâches. Ah, je redescends en mais avec le haut de ton tibia. Okay. Parce que le bas il est pas fort, regarde. Le bas il est pas fort, ouais. le haut il est fort. T'as vu? Ok. Vas-y. Hop. Ah, yes. Là, là j'ai mal. Ok. Tout à l'heure j'avais pas mal. Est-ce que tu frappes ici ou tu tapes avec non, le haut? Le haut. Parce que regarde, tu vois, je mets ta main comme ça, tu vas comprendre. Doucement. Je vais faire avec le bas du tibia. Non, doucement, je te ouais. promets ta prière. Ça c'est le bas. Tu sens rien. Regarde le haut. Ah ça c'est le haut. C'est le haut. Hey, tu fais exprès, arrête. Non, tu fais mal.
Tu vois, imagine, donc tu veux mettre la main pour prendre un couteau dans la poche. Ah, tu boum, tu casses le bras. Et après, il casse le bras, je vous assure, il casse le bras. Tu vois, oh. Alors regarde, fais avec le haut. Tu vois, je mets la main dans la poche pour prendre une arme, ouais. Par exemple. Fais avec le pied. Hop. Voilà, et maintenant fais avec le haut du tibia ici. Voilà, là j'ai mal. Okay. C'est pour ça que j'explique la précision, c'est important. Les gens ils tapent. Non, quand je tape, je vais chercher là. Ah oh, ouais, je vais chercher là. Oui, je vais chercher. Tu vois, ouais. Je vais chercher. Au voilà. Lieu de faire 10 coups, un petit coup bien visé. Voilà, tu vois, je fais pas de coups comme ça. Si je fais un coup, doucement, je vais faire sur le genou pour casser. Oui. Tu vois. C'est ça le truc. Bon voilà, on a rigolé un petit peu. Mais en fait, c'est vraiment que la force, c'est bien. Toi, tu es très fort, donc c'est encore mieux. Hein. Mais la précision, c'est important en combat. Là, on est obligé. À vrai dire, je croyais pas trop qu'on jouait des vidéos. Ouais, des petites précisions, tout ça, je croyais pas. Mais là, je me suis assuré moi-même. Franchement, j'en vais apprendre ce genre de truc. Maintenant, j'ai vu à quel point c'est efficace, quoi. Franchement, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Voilà, pas de problème. Mais effectivement, quand on est en forme, c'est encore plus facile. Quoi. Voilà, bon, on a passé un bon moment. L'essentiel, c'est le partage, encore une fois. Hein. Il a sûrement des choses à m'apprendre. Et encore, moi, mon but, toujours, c'est partager, rencontrer des gens parce que j'apprends. J'apprends de tout le monde, des plus jeunes, des moins jeunes. On est tous pareils, je pense. YouTube, c'est un super outil pour échanger et partager. Bah, merci à toi encore. Bah, merci à toi, François. Bon entraînement pour ce soir. J'espère que tu n'auras pas trop mal. Non, ça va aller, je pense. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bon, apparemment, ils ont quelques douleurs. Bon, on a passé un bon moment, pourtant, d'échange. Hein. On est d'échange quand même, hein. Ouais, bon. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Encore une fois, partagez, allez voir leur chaîne YouTube. C'est super intéressant. On apprend beaucoup des autres. Je vous dis, moi, j'ai appris des choses encore tout à l'heure. C'est l'échange et YouTube est un super outil pour ça. Je vous dis à bientôt. Désolé, les gars. Hein. Mais bon, ils vont se venger. Hein. Regardez, j'ai un peu de sang, d'ailleurs. Hein. Ils ont commencé à se venger déjà. Ah allez, salut. C'est bon, c'est toi. Petit clap. Merci. Petit clap. Donc c'est plus rapide. Petit clap, s'il vous plaît. C'est moi. Les bras, t'as le faire. Ça tourne. Ça tourne. Au son. J'avais pas à te poser la canne. Donc, ah, j'étais avant toi.